Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci à tous pour votre ponctualité et vraiment super Julie pour la technique parce que ce petit problème a été réglé en une seconde et là tu fais des miracles et heureusement que tu es là. On va commencer parce que voilà, une de nos signatures c'est aussi d'essayer d'être à l'heure parce qu'on a tous des agendas très denses et donc par respect aussi pour ceux qui sont arrivés, on vous propose de commencer et puis les personnes nous rejoindront au fil de l'eau. Peut-être quelques mots d'introduction, tout d'abord pour souhaiter la bienvenue à tous les participants ou participantes pour qui c'est la première au webinaire de ADN Woman, et puis pour tous ceux qui nous suivent plus régulièrement, parce que comme le disait Julie, on en est déjà à notre 5e édition, donc voilà, soyez les bienvenus, que ce soit la première fois ou une répétition, ça nous fait toujours plaisir d'organiser ces rencontres pour vous, et puis à chaque fois avec de nouvelles invitées talentueuses. Et donc, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, je vais dire quelques mots sur qui nous sommes, ADN Woman. Voilà, donc ADN Woman, c'est une association. Nous sommes vraiment dans une démarche militante. On part en fait du constat que les inégalités sont nombreuses et qu'en tout cas, les femmes ont encore beaucoup de combats à mener. Et que bien sûr, si la priorité, c'est de faire évoluer les choses, et on voit qu'il se passe des choses dans le domaine de l'égalité toutes les semaines, hein. La semaine dernière, c'était encore le forum Génération Égalité, donc le monde bouge, mais pas assez vite à notre goût. Et donc, on pense qu'en attendant, il faut essayer de se débrouiller avec le système tel qu'il est, et donc que notamment les compétences en négociation sont une façon pour les femmes de rattraper, j'allais dire, les inégalités et le retard. Sur les domaines de salaire, de carrière, de progression dans la vie professionnelle. D'où ces conférences que l'on organise pour à la fois vous donner des témoignages, des vrais exemples de la vraie vie, des rôles modèles. Donc, merci à nos deux invités de partager sur leur situation, leurs histoires, leur vécu, leurs succès et leurs échecs, parce que c'est aussi à partir de ça qu'on apprend les unes des autres. Et merci à l'équipe ADN Woman d'être fidèle au rendez-vous. Je vais laisser Karine peut-être présenter les intervenantes et puis le déroulé. Merci Aurélie et bonsoir à toutes. Je suis super contente de vous retrouver. Alors moi, je vais faire un petit teasing donc pour celles qui partent en vacances et qui cherchent, en tout cas, si vous voulez quelque chose, si vous voulez faire quelque chose d'utile pour vous-même et pas prise de tête, eh bien, regardez le podcast « Les négociatrices ». Que vous pouvez regarder un peu partout, hein, Julie, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc, Julie Crousillac, c'est elle qui organise ces séminaires et c'est elle qui a monté ce podcast. Et en fait, dans les négociatrices, vous retrouvez toutes les conférences passées. Alors, vous pourrez retrouver tous les différents secteurs d'activité, Amina avec les assurances, Natacha avec la joaillerie, Iba et... pour le transport avec Marlène, la RATP, la SNCF. On a fait la grande distribution avec Aude et puis des secteurs aussi, des nouveaux secteurs à explorer, le sport avec Charlotte, la finance avec Louisine. Et voilà, donc vraiment, je vous invite à le faire parce que ce qu'on apprend de ces environnements différents, c'est que comme le disait Aurélie, on a encore des inégalités. Et on a toujours une marge de négociation et c'est ça qui est important et la carrière en particulier c'est une suite de négociations du temps long, du temps court et ce qui est très important aussi dans les situations de négociation et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le débrief, c'est-à-dire c'est de se poser sur une situation vécue et puis d'en avoir un décryptage et ça c'est ce que va faire Sylvia Bravard-Meunier qui est notre négociatrice professionnelle, c'est elle aussi qui anime les séminaires de formation de l'agence ADN internationale et voilà, et on ne se lasse pas de l'écouter. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire en introduction. Et du coup, je présente nos deux intervenantes, deux femmes fascinantes et généreuses. Fanny Auvergne-Beneteau, qui est membre du comité exécutif et directrice de la communication et de l'information à la CAF. Et Florence Guillaume, qui est colonel de gendarmerie. Et on en reparlera, qui a aussi d'autres casquettes. Et ce qui nous a frappé quand on a préparé avec elle, c'est que ce sont deux femmes de leaders. Qui sont à la fois expertes dans leur champ d'activité respectif, mais ce sont aussi elles qui façonnent en fait les stratégies dans leur domaine d'activité parce qu'elles ont toutes été investies au sein de cabinets ministériels et elles ont vraiment ce sens de l'intérêt général. Donc, non seulement elles ont une compétence profonde, mais en plus, cette compétence profonde, elles la mettent au service de l'intérêt général et elles ont la gentillesse de partager
leur perspective et leur expérience qui est tout à fait singulière ce soir. Donc, un grand merci à vous deux. On va démarrer tout de suite avec la première interview qui sera ensuite décryptée par Sylvia. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat pour réagir, pour poser des questions. Aurélie, je te laisse la main pour la première expérience. Avec plaisir, chère Karine. Et donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter donc Fanny. Donc Fanny qui a eu à peu près déjà 10 vies professionnelles hein, puisque voilà, à la fois dans des cabinets ministériels comme elle disait Karine, mais aussi reporter, mais aussi dans des compagnies internationales en charge de la com chez Disney et puis aujourd'hui effectivement à la CNAF, donc des univers extrêmement différents. Donc voilà, ton parcours est très intéressant et ce soir on va se focaliser sur les situations de négociation que tu veux bien partager avec nous et peut-être commencer par les débuts. Puisque tu as commencé ta carrière dans un environnement assez peu ouvert aux femmes, je crois, la télé et puis sur des sujets de mecs, hein, donc assez peu, on t'a assez peu accueilli au début. Est-ce que tu peux nous raconter ce début de carrière et comment tu as fait ta place dans cet univers ? Ben oui, tout à fait. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de témoigner ce soir. Je suis moi-même une spectatrice assidue de tout ce que vous faites et je trouve que c'est hyper utile parce que c'est en témoignant des forces et des faiblesses et vous avez raison, des réussites mais aussi des échecs, des parcours que ça permet aux autres femmes de progresser, de s'en sortir et que quand parfois dans des situations difficiles, on a l'impression qu'on est un peu seul, s'apercevoir que c'est arrivé à d'autres, je trouve que ça fait du bien. Donc oui, moi j'ai commencé comme journaliste reporter à France 2 dans un service qu'on appelle les infogénés, donc c'est ce qu'on appelle un peu police justice fait divers, qui est un milieu il y a 20 ans assez genré. Effectivement, souvent les femmes, elles sont ou à la présentation, ou à la culture, ou à la mode. Voilà. Bon, moi, c'est les questions déjà de sécurité, d'intérêt général qui m'intéressaient, de sûreté. Donc, après des études à Sciences Po et puis un DSS à Dauphine, j'hésitais à être avocate et finalement, bon, je me suis destinée à être journaliste. Et donc, effectivement, souvent, dans ce milieu-là, pour gagner sa légitimité, il fallait justement pas être trop féminine, femme, etc. Et donc, moi, très tôt, j'avais le syndrome de la bonne élève que je n'avais pas encore identifié. Et donc, je répondais présent à toutes les missions. Je faisais 30 missions par mois. Je n'étais jamais là. Voilà, je ne déméritais pas. J'étais toujours preneuse, volontaire d'aller sur le terrain parce que j'aime ça, j'aimais ça. Et puis, de temps en temps, quand même, il y avait des situations qui étaient un peu borderline en termes de risque, de rapidité d'exécution. On pouvait nous envoyer dans des endroits… pas toujours sécurisé, ou je me souviens une fois d'une anecdote où je suis partie en motopresse sur l'autoroute sous la flotte à 180 km/h pour ramener finalement une cassette ou quelque chose qui n'était pas forcément stratégique. Et donc, quand je rentre un peu perturbée, voire choquée, parce que c'était quand même une séquence très tendue avec beaucoup de stress, quand j'arrive, je donne la cassette et je dis bon, c'était bien, mais peut-être qu'on pourrait mieux s'organiser, peut-être qu'on pourrait avoir du temps. Et là, on me dit, attends, je t'arrête tout de suite, c'est un métier de mec, si t'es pas capable de tenir, t'as qu'à démissionner, ma pauvre. Bon, je voyais pas trop le rapport avec la situation, je trouvais que c'était plutôt un problème d'organisation, mais bon, très bien. Et puis l'après-midi, je repars sur ma moto presse comme une folle. Et puis là, ce qui devait arriver arriva, en couloir de bus, en sens inverse sous la flotte, on se fait percuter, on a un accident. Je termine à l'hôpital et rien de grave, mais bon, j'avais le rotule écrasé. Et là, mon red chef arrive un peu penaud en me disant finalement, tu as raison, il vaudra mieux s'organiser mieux et mieux anticiper la prochaine fois. Bon, c'est une anecdote pour dire que très tôt, moi, avant, dans mon éducation, je n'avais jamais pensé que j'étais différente d'un garçon. J'étais élevée pareil que mon frère. Et donc, c'est dans mon milieu professionnel où finalement, on m'a fait sentir une certaine illégitimité en me disant, bah, tu as du bol d'être là déjà, donc ça va. Et donc, moi, j'ai joué le jeu. Et puis, vous voyez, bon, bah, voilà, ça, c'est une anecdote pour dire que mais j'aurais dû m'affirmer. Ça veut dire, Fanny, que, ça veut dire que pour obtenir des choses et pour négocier, il a fallu quand même en passer par un accident. Et du coup, à la suite de cela, est-ce que tu as eu l'impression quand même que tu pouvais obtenir des choses sur justement cette organisation, ces risques un peu plus mesurés et ces trucs un peu moins, il fallait être le plus fort. Pas exactement, parce que j'étais plus jeune et que trop jeune peut-être pour que ma voix porte. En revanche, personnellement, oui, ça m'a permis de me dire que mon instinct n'était pas mauvais et que quand je sentais qu'un truc passait pas, ben, c'était pas la peine de le faire pour faire plaisir aux autres, en fait. Parce que je trouve que souvent, en tout cas moi, c'était mon cas, j'avais ce syndrome de la bonne élève et donc je fais les missions qu'on me donne et le mieux que je peux.
Et en fait, il faut, je pense, écouter sa petite voix. Ça vaut pour tout le monde, hein, les hommes et les femmes. Et quand il y a un moment où on ne sent pas un truc, en fait, il ne faut pas le faire. Même si on veut réussir, même si on veut être bien vu, même si on veut… Voilà, non, il faut s'écouter parce que finalement, on sent les choses. Et c'est important d'apprendre à dire non. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. C'est une forme de négociation. C'est savoir dire, bah non, là, écoute, vraiment, je trouve que le ratio risque-bénéfice n'est pas bon. Et savoir s'affirmer. Mais c'est vrai que quand tu es jeune dans un environnement un peu dur ou macho, on va dire, je pense que ça a pas mal changé depuis, bah, ce n'est pas évident. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on devrait nous apprendre quand qu'on est plus jeune, quoi. Savoir que bah, y a des choses qui ne sont pas négociables et la sécurité, par exemple, ça en fait partie, en fait. Bah, c'est important que tu dis ça parce que je crois que Julie, elle réussit à chaque fois à inviter à ses webinaires aussi des jeunes voilà, et des étudiantes. Et on est assez convaincus comme toi qu'effectivement, plus tôt on a ces messages et mieux on est équipé. Donc, merci du partage. Voilà, et je vais ajouter, je sais que c'est arrivé aussi à d'autres filles autour de moi, des jeunes ingénieurs dans le BTP qui ont fait leurs preuves. Et donc, elles avaient beau avoir fait des grandes écoles, elles sont allées sur le terrain en stage ouvrier, etc. Et elles ont eu des expériences similaires aussi, tu vois. Et pareil, on te dit, bah attends, si tu le sens pas, t'es pas capable de faire un métier de mec, bon, bah ça n'a juste rien à voir en fait. Oui, donc plutôt que changer la norme, c'est toi le problème, quoi. Ouais. Alors nous, il y a un sujet qui est central pour nous chez ADN Women, c'est le sujet des salaires et c'est le sujet de l'égalité salariale et des négociations de salaire. Donc tu as accepté de partager avec nous quelques expériences de discussion salariale et t'as une anecdote, voilà, assez sympa que tu as. Automatiquement proposé. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as négocié ton salaire? Qu'est-ce que tu as réussi, pas réussi? Est-ce que tu as des expériences à nous raconter? Alors oui, je trouve que c'est important de parler de salaire et de REM parce que c'est hyper important dans la carrière d'un homme, mais aussi d'une femme. Et que c'est vrai que souvent, notamment en plus en France, on est assez mal à l'aise avec ce sujet-là. Donc bon, quand j'étais jeune journaliste, pendant 9 ans, donc j'ai attendu d'être augmentée, je ne l'ai jamais été, alors que je ne déméritais pas. Et un jour où je suis allée parler du sujet à mon chef, je lui ai dit, écoute, je remplis toutes les missions, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bah, oui, mais tu n'es jamais venu demander d'être augmentée. Donc forcément, je n'ai pas pensé à toi. Donc déjà, j'ai compris que si je voulais attendre quelque chose, il valait mieux aider les autres à m'aider, quoi, comme on dit. Donc bon, j'ai compris. Et puis, il y a quelques années, donc beaucoup plus expérimentée, mais pas que ça, je négociais pour entrer dans une grosse boîte privée. Je sortais du public, donc c'est vrai que j'étais pas tout à fait certaine de la REM que je devais demander. C'était le dernier entretien, hein. J'avais vu le chasseur, etc. Je voyais le PDG de la boîte. Et donc, je m'entraîne avec un copain qui bosse dans la finance, comme on fait tous, une fois, deux fois, trois fois, sur les points saillants, les difficultés, et puis sur la REM. Et donc, il me dit, non mais la REM, c'est tel montant, ça ne peut pas être plus bas, c'est vraiment ton plancher. Donc, j'étais hyper organisée, j'avais tout préparé. Et puis, arrive l'entretien et là, le DG me dit, OK, vous cochez toutes les cases et la REM. Et là, je ne sais pas encore pourquoi, je dis 24 mois. Et je m'entends dire un truc qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais préparé. J'étais évidemment. Donc, tu avais préparé 100 et tu dis 80, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu prépares 150 et tu dis 130, tu prépares, voilà. Et ou 120 et tu dis 100. Et là, bon, bah, visiblement, le DG en face de moi, bon, bah, il me regarde, je pense que j'aurais dit 20 de plus, 40 de plus, il n'aurait pas été surpris. Et là, je me rends compte et je me dis, c'est quand même pas possible, quoi. Et je sors de cet entretien, j'appelle ce copain qui m'avait coaché, si je puis dire. Et je lui dis, bon, voilà ce que j'ai fait. Il me dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et je ne sais pas. Je pense que je ne me suis pas sentie légitime. Je me suis peut-être dit aussi, comme parfois les femmes, on se dit, bon, bah, je vais être prise parce que finalement, j'accepte, je ne vaux pas si cher ou par rapport à un concurrent masculin, bah, je serai peut-être moins cher. Donc, enfin, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais j'avais envie de le partager avec vous pour dire que c'est légitime de demander une REM à la hauteur de ses compétences et on n'est pas illégitime à demander justement une REM qui correspond à ce qu'on a fait, son carnet d'adresse, son expertise et son expérience. Et c'est vrai que c'est pas très valorisant, mais je vous le dis, c'est une anecdote qui m'est arrivée. Et au final, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que le DG m'a proposé la REM que j'ai indiquée, donc 21 mois, bien sûr. Non, mais merci Fanny, parce que bien sûr que c'est légitime et pour autant, bien sûr que c'est difficile. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces webinars, parce que c'est très facile de se dire j'aurais dû faire ça, mais quand on est en situation, voilà, il y a quand même des conditionnements qui font que c'est un sujet délicat. Et donc, merci de partager, voilà, même si tu as un parcours
qui, sur le papier, nous semble exceptionnelle. Bah, toi aussi, tu as eu des difficultés, donc merci de les témoigner. Alors, s'il y a des... On peut préparer, donc en fait, il faut préparer avec 24+. Ça peut être une stratégie, comme ça, si on a un petit peu besoin d'aller en dessous, on reste quand même sur le marché. Voilà, en tout cas, Sylvia nous redonnera tout à l'heure sa lecture de la chose et de comment elle interprète ta réaction par rapport à cette question. Peut-être, du coup, toujours sur ce sujet des salaires, voilà, est-ce que tu as eu, toi, de ton côté, à conseiller des femmes sur ces sujets? Parce que Nathalie, j'ai préparé avec un ami qui travaille dans la finance. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de conseiller des femmes dans ton équipe, dans ton entourage, sur des questions de salaire ou de carrière? Est-ce que tu as un témoignage là-dessus? Bien sûr, je recrute en ce moment, j'ai recruté. Et à chaque fois, quand je vois les candidates, je trouve que souvent, elles ont pas préparé. Donc, l'AREM, ce n'est pas un sujet. Ah ben non, mais on en parlera plus tard. Ben non, le conseil à donner, c'est il faut que le sujet soit calé mieux que ce que j'avais fait. Mais arriver avec ses idées claires, c'est important parce que c'est une forme d'estime de soi. Et c'est vrai que souvent, encore maintenant, chez des jeunes candidates, elles n'ont pas pensé à ça, alors que souvent, chez les candidats masculins, ils y ont pensé. Et c'est normal, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut que ça devienne un réflexe. Et là, dernièrement, j'ai recruté quelqu'un et je me suis calée avec elle. Je lui ai dit, non, mais votre M, c'est ça. Donc, demandez ça, demandez pas moi, même si vous avez très envie. Parce qu'à l'entretien, elle a dit, je viens parce que j'ai envie de travailler avec Fanny et son équipe et le DG. Et je lui dis, c'est gentil pour nous, mais en fait, il faut aussi que vous veniez parce que vous allez avoir une REM qui correspond à votre expertise et pas parce que vous avez envie de travailler avec moi ou avec une équipe dirigeante. C'est tout à fait agréable, mais voilà, c'est important vraiment de conseiller aux femmes, aux jeunes femmes, de ce point de la rémunération, quoi. De pas avoir honte de demander et que c'est légitime, en fait. Ouais. Ça fait partie de la négo, comme les horaires de travail, comme les jours de congé. Voilà. Alors justement, parce que souvent, on parle aussi de ça dans ces webinaires. Il y a la négociation de salaire qui est importante et puis il y a plein d'autres dimensions qui sont importantes. Et il y en a une dont tu voulais parler, c'était la négociation aussi du temps, du temps dans un moment donné ou dans les moments de carrière. Et donc, toi, tu as fait des choix à un moment donné de négocier du temps et du sens, j'allais dire. Mais est-ce que tu peux nous raconter aussi comment tu as négocié ton temps de travail aussi avec les sujets de parentalité en parallèle et les priorités que tu as faites? Oui, ça aussi, je pense que c'est utile de l'avoir en tête. Ça dépend quel est votre projet et chacun a son projet. Et moi, très tôt, j'ai su que j'avais envie d'avoir un job intéressant avec des responsabilités, d'être exec, de me balader, de voyager, d'apprendre et puis en même temps d'avoir une famille équilibrée et d'être aussi présente. Donc, au début, je ne savais pas trop comment faire. Là encore, je n'avais pas appris à négocier. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai quitté la rédaction et je suis allée à Télématin, ce qui est bien, mais ce qui permet de ne plus aller en reportage. Et donc, tu travailles de 4h du matin à 9h et ça s'arrête en fin de matinée. Donc, effectivement, tu peux faire la double journée. Bon. Et puis après, je suis entrée en cabinet ministériel et là, je n'ai pas su négocier mon temps de travail. C'est-à-dire que quand j'étais embauchée, j'ai dit, moi, je peux tout faire, mais je dois rester à Paris, me déplacer quelques jours par-ci, par-là. Mais vraiment, elle m'a dit, il n'y a aucun problème, tu géreras tous les événements à Paris en petite couronne. Et évidemment, je n'ai pas su le faire parce qu'on ne m'avait pas appris à dire non, ou peut-être que je n'étais pas assez volontaire. Et au bout de 3 mois, je me suis retrouvée à faire 90% des voyages à l'international. Donc, c'est-à-dire que c'est des voyages qu'on fait deux fois. On fait le voyage en PREC. On prépare et puis on y retourne 3 jours après en délégation officielle. Donc, c'était absolument passionnant. Mais honnêtement, je n'ai pas su me respecter et respecter finalement ce que je pensais de la façon dont je souhaitais m'organiser. Et ça encore, c'est une chose à apprendre. C'est le négociable, le non négociable. Et en fait, ça, c'était pas négociable. Je me suis laissée un peu déborder et j'ai connu un échec personnel, ce qui fait qu'après, une fois que j'ai compris que c'était important de cet équilibre-là, je le dis encore pour moi, j'ai démissionné pour trouver un job qui me permettait de concilier les deux. Et maintenant, je fais attention à ça, à dire, écoutez-moi, il n'y a pas de problème, mais le matin, je dépose les enfants, donc je n'arriverai pas avant 9h15. S'il y a besoin, bien sûr, je peux le faire. Et le soir, quitte à me reconnecter après, mais moi, j'ai besoin de faire un petit coup d'œil sur les devoirs, de dîner avec les enfants, parce que c'est important, en fait, pour moi. Et ça me permet aussi d'être plus performante au boulot. Quand je travaillais comme une folle 18 heures par jour, je n'étais pas plus performante, en fait. J'étais fatiguée, j'étais agressive, j'étais sous polaire. Enfin, vous connaissez toutes ces situations-là. On a besoin de faire un break, de voir ses enfants, d'aller au ciné, de voir des potes. Et c'est normal, en fait. Et ça aussi, la négo du temps de travail, je trouve que ça s'apprend. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un bon élément.
Ça veut dire qu'on a besoin aussi d'autre chose, de se nourrir à côté, avec la famille, les amis, c'est ce que je dis, avec la danse, ce que vous voulez, le yoga, mais il faut savoir négocier son temps de travail et évidemment être présent quand il y a des gros enjeux, parce que dans des postes à enjeux, ben, il faut évidemment être là quand il se passe quelque chose d'important, mais négocier son temps de travail, je trouve que, et son rythme, c'est important, quoi, et de bien, de pas culpabiliser quand on s'en va. Parce que ça aussi, je trouve que c'est. Moi, j'ai longtemps culpabilisé en me disant, oh là là, mais oui, bah oui, mais c'est normal, en fait. C'est normal, ça ne veut pas dire on va y que c'est un revenir, mauvais mais tu as élève. tout à fait raison, hein. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on choisit de négocier, à quel moment de la carrière? Et parfois, ça va être le salaire, parfois, ça va être le temps, parfois, ça va être une exposition particulière. Et c'est aussi intéressant de t'écouter parce que toi, tu as aussi le courage d'aller au bout de tes choix et de tes priorités et faire le choix de quitter un environnement qui, à un moment donné, n'est pas compatible avec ses priorités, puisque voilà, là, tu n'avais rien négocié dans des postes ministériels. Voilà, je comprends que c'était 18 heures ou rien. Et donc, faire le choix d'alterner, comme tu as fait après un autre choix pour rejoindre une organisation avec plus de sens, c'est aussi des beaux témoignages de carrière parce qu'à chaque fois, ça fait grandir et que… Ben là, par exemple, quand j'ai démissionné de Matignon, puisque j'avais quelque part raté ma négo de temps, mais c'était un peu normal, j'ai accepté un job au cabinet du préfet, donc j'ai négocié une rémunération évidemment à la baisse. En contrepartie, évidemment, j'ai négocié le premier mercredi après-midi, parce que je me lançais dans des projets de parentalité. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas joignable de 14h à 20h, mais j'avais cette soupape-là. Et ça, je n'ai jamais regretté, en fait. Mais quand tu dis que tu as raté ta négo de temps à Matignon, tu as vraiment eu une négociation de temps? Ben oui, quand T'as j'étais mené? embauchée, comme je sortais d'une expérience ministérielle compliquée, j'ai dit, écoutez, moi, je fais tout. Vous savez, il y a énormément de visites ministérielles à Paris. On reçoit tous les mardis des chefs d'État. Donc, moi, je m'étais plutôt positionnée sur ça, parce que finalement, on ne peut pas tout faire. Et puis, de fil en aiguille, finalement, une fois, pour remplacer un collègue qui ne pouvait pas aller au Canada, je ne sais pas pourquoi, ben, je suis partie au Canada comme on prend le métro. Et puis, finalement, au Canada, ça a bien marché. Donc, je suis revenue. On m'a dit, ben, tu es allée au Canada, tiens, tu vas aller aux États-Unis, qui n'avait pas de lien, mais enfin, voilà. Et puis de fil en aiguille, je me suis laissée déborder en fait. Et donc, par exemple, j'étais à l'époque en garde partagée et c'était très compliqué. Il y avait des semaines où je n'étais pas là, alors que c'était la semaine où je devais avoir la garde. Donc, c'est voilà. Et en fait, il y a un moment, il faut savoir se dire, non, ça ne va pas en fait. Enfin, je me Eh ben, souviens d'une fois. on a Ouais, des on questions sur le chat sur qu'est-ce qui est négociable ou pas négociable. Bon, peut-être Sylvia va revenir là-dessus, mais pour toi à l'époque, voilà, il y avait quelque chose de non négociable qui était d'être absente une semaine, les semaines où tu avais la garde. Ouais, mais pourtant, je me suis laissée Ah ouais. embarquer. Je peux le dire, je le regrette, hein, mais et donc ça te cause un stress parce que tu suis pas là, il se passe un truc. À l'inverse, t'es pas 100% dans ta mission. Donc c'est important, comme pour conclure, de dire ça, que il faut que les femmes elles apprennent aussi, et les hommes, hein, parce que moi j'ai des copains qui apprennent à négocier la parentalité et qui disent, bah non, là je peux pas venir demain en réunion à 8h parce que je dépose mes enfants à la crèche. Et en fait, c'est normal de conjuguer parentalité et carrière pro, et je suis contente parce que je trouve qu'on va dans le bon sens actuellement. Bon, merci beaucoup Fanny, c'est passionnant, mais on veut tenir le rythme et je voudrais maintenant laisser la parole à Sylvia qui t'a écouté attentivement et qui a sans doute quelques clés basées sur ses séminaires et formations de négociation à partager sur la base de ton témoignage. Oui, merci. Alors, déjà, vraiment, c'est pour ça que j'adore ces webinaires. Donc, merci Fanny. Parce que Fanny, avec le parcours et la carrière que tu as, tu arrives en webinaire avec autant de filles connectées en disant ben « Moi, j'ai merdé ma négociation de salaire, je devais demander 24 plus et je ne l'ai pas fait. » Et donc, c'est pour ça que j'adore nos webinaires, c'est pour la transparence dont font preuve toutes les filles qui viennent et qui sont nos invitées. C'est d'être transparente sur ce qu'on a raté, ce qu'on n'a pas osé, et c'est ça qui donne des idées justement à celles qui nous suivent. Alors, j'ai plein de choses à dire évidemment sur ce que nous a raconté Fanny. Sur sa négociation de salaire, alors on en parle souvent dans nos webinaires, hein. Bien sûr, déjà on prépare, il y a le marché, il y a ce que je vaux avec éventuellement mes études, mon parcours, ce que valent ce poste dans l'entreprise, dans le secteur d'activité dans lequel je travaille, etc., etc. Donc ça se prépare, c'est ce qu'elle a fait et c'est là qu'on lui a dit, bah, par exemple, Fanny, la proposition c'était 100K, c'est ça que tu devais défendre. Eh bien, c'est comme dans la vente, la négociation. Faites des sketchs, faites des mises en situation. Il y a un truc qui est magique dans le cerveau, c'est la répétition mentale. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose virtuellement, eh bien votre cerveau aura l'impression d'avoir vécu vraiment. Et donc, si vous voulez vous faire une répétition mentale de la négociation qui va se dérouler, eh bien, il faut la faire en vrai. Alors, vous allez prendre votre conjoint, vous allez prendre votre ami, des fois, vous allez prendre même votre fille, si vous voulez, en face de vous, peu importe. Mais il faut vous mettre dans les conditions réelles pour voir ce que ça donne en live.
Et là, les négociations qu'on accompagne, comme en 2020, on a fait beaucoup de négo en visio, eh bien, on a fait des sketchs de négociation en visio pour être en vrai, comme dans la vraie vie. Et donc, si vous vous êtes dit, voilà, ce soir, je dois négocier mon salaire à 100K, ça ne suffit pas de l'écrire sur un papier et de le relire avant d'y aller. Parce que là, vous n'êtes pas dans l'état émotionnel qui va être le réel. Donc, vous allez dire à votre meilleure copine, voilà, écoute, j'ai besoin de préparer cette négo. C'est la première fois que je vais oser négocier mon salaire. Je te propose de faire en face mon interlocutrice, donc la personne qui va me recruter. Donc, n'hésite pas à être parfois un peu sèche, un peu désagréable. Ne me fais pas des sourires comme si j'étais ta meilleure amie, histoire que je stresse, histoire que je me dise, attends, je suis vraiment en train de faire mon entretien d'embauche. Là, j'ai les mains moites. OK, maintenant, vous aviez des prétentions salariales, mademoiselle ? Oui, alors voilà, et en fait, je vais le dire en vrai, je vais le dire les 100K, et je vais voir forcément dans l'émotion de l'autre, peut-être un froncement de sourcils, peut-être un étonnement en disant « qu'est-ce que c'est que ce chiffre ?» ou alors un petit sourire en disant « elle est mignonne, elle aurait pu demander 200 ». Bref, dans tous les cas, il faut que je me mette dans cette situation. Donc, je crois beaucoup au sketch de négociation comme je crois au sketch de vente. Et dans les situations réelles, donc en face, à un bureau et non pas sur les genoux, l'une assise à côté de l'autre avec le même plaid et un thé à la vanille. Et l'autre point qui est important sur ces négociations de salaire, c'est ce que ça dit de vous. C'est-à-dire que si moi, vous me recrutez pour la directrice commerciale d'une entreprise et qu'au moment de négocier mon salaire, parce que je vous dis, écoutez, je pense que je mérite 100 et que vous froncez les sourcils et je vous dis, bon, après, voilà, 80, c'est bien quand même. Qu'est-ce que ça dit de moi sur ma capacité à tenir bon face à un client ? Qu'est-ce que ça dit de moi en tant que manager à tenir bon face à une équipe qui évidemment va vouloir négocier ses objectifs annuels, qui évidemment va vouloir me demander plus de budget pour atteindre ses objectifs? Ça dit beaucoup de choses de vous, votre entretien. Et donc, si je veux montrer que je suis un manager digne d'assertivité, qui est digne de tenir mes positions, qui est stable sur mon non négociable, qui sait la valeur que j'ai, eh bien, ça doit se refléter dans ma négociation de salaire. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la négociation de salaire de Fanny. Et je voulais aussi rebondir, si j'ai le temps, Aurélie, c'est toi qui me dis, je vois avec ton non-verbal, si tu clignes trois fois de l'œil droit, c'est que je n'ai pas le temps. L'autre point, c'est ce qui n'est pas négociable. Donc, l'heure à laquelle je vais récupérer mes enfants le soir, c'est souvent un sujet qui nous remonte. Ça veut dire que ce n'est pas négociable parce que pour vous, dans la hiérarchie de vos priorités, partager les devoirs, le repas avec vos enfants, c'est une priorité supérieure à être bien vu par des gens qui pensent que rester jusqu'à 22 heures, c'est un critère de performance. Donc, c'est ça votre priorité. Attention, on n'est pas là pour faire du sexisme non plus. Peut-être que vous, dans vos priorités telles que vous nous écoutiez, c'est l'inverse. Pour vous, c'est plus important d'être épanoui professionnellement et d'avoir une nounou qui s'occupe des enfants. Et ce n'est pas grave. Chacune a évidemment son chemin et ses valeurs là-dessus. Par contre, ce qui est grave, c'est d'avoir des points de principe et de les lâcher tout de suite. Donc, si moi, ce qui est important, c'est de rentrer à 18h pour récupérer mes enfants, c'est un point de principe. Ça veut dire qu'il n'est jamais négociable. Ça veut dire que la première semaine, alors j'en parle évidemment dans mon entretien d'embauche, hein, en disant voilà, moi, ça, ce ne sera pas discutable. Donc, si c'est un problème pour vous, je préfère en parler tout de suite. Bon, admettons qu'on ne me dise pas de problème. Chez nous, on est très ouvert avec ça. La première semaine où je viens travailler, je pars à 18h. Même si cette semaine-là, j'ai mon beau-père qui est à la maison, qui peut s'occuper des enfants, je pars quand même à 18h. Parce que à partir du moment où j'ai lâché une position de principe, c'est mort. Si je prends un exemple avec les enfants, si vous dites « les enfants, on ne regardera jamais les dessins animés le matin avant d'aller à l'école parce que ce n'est pas bien pour le cerveau », si à un moment donné, vous lâchez sans raison, c'est fini. Tous les jours, il vous demandera un dessin animé avant d'aller à l'école. Donc, il faut une raison quand vous lâchez une position de principe. Par exemple, bah, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, voilà, ce matin, tu as le droit de regarder des petits dessins animés avant d'aller à l'école. Et demain, quand il vous dira « et du coup ?» Ah ben non, là, ce n'est plus ton anniversaire. Et donc, c'est pareil avec les négociations avec nos employeurs, avec nos négociations commerciales, etc. S'il y a une position de principe, il n'y a pas de raison qu'elle tombe. Donc, par exemple, quand les enfants sont en vacances, eh bien, je peux rester plus tard parce qu'ils ne sont pas là. Il y a une raison. Merci. C'est effectivement très utile de savoir qu'il ne faut pas négocier sur certains points qui sont cruciaux pour nous. Mais je vous rassure, j'ai quand même progressé en négociation salariale, parce que là, je vous ai donné un mauvais exemple. On n'est pas très inquiet, Fanny, vu là où tu en es. Bon, merci beaucoup, Sylvain et Fanny. On va peut-être laisser la parole maintenant à Karine, qui va nous présenter Florence, qui a aussi de beaux exemples. Oui, et peut-être juste une dernière question, si tu me permets, Aurélie, parce que c'est remonté dans le chat, notamment la question, une question pour Fanny sur la jeunesse.
et la façon dont on négocie peut-être différemment à certains moments de sa carrière. Est-ce que tu as changé dans ta façon de négocier? Est-ce que la perception que les gens ont de toi a changé? Je veux dire, comment tu vois l'impact de la jeunesse en étant jeune et femme? Tu veux dire vis-à-vis des jeunes que je recrute ou vis-à-vis de mon évolution dans mon vis-à-vis parcours? De ton évolution. Ah, ben je pense que maintenant, je sais plus ce qui est négociable et pas négociable et ce que je veux. Et je suis capable de faire passer le message en restant ferme, comme a dit Sylvia, et aimable. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quand je refusais ou je pouvais pas, j'allais direct au conflit. Et en fait, j'ai compris avec l'expérience qu'il y avait tout un panel de dialogue et de négociation qui fait que c'était pas blanc-noir, mais que, et Sylvia le dit très bien, dès le début, tu poses le cadre, en fait. Ben, écoutez, voilà, c'est très bien, mais en fait, ça, je ne peux pas le faire. Et surtout, de ne pas négocier. Et c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est que si une fois que tu lâches ta position de principe, c'est mort. Et c'est vrai que ça s'apprend. Ouais. Et plus tôt ça s'apprend, et mieux c'est. Parce que finalement, il n'y a pas d'âge pour négocier. Exactement. Mais exactement. Et ça, je trouve qu'on devrait nous l'apprendre, de même qu'on nous apprend le marketing, l'anglais. Je trouve qu'on devrait nous apprendre la négo. Ben, merci de ce que tu fais pour les jeunes femmes, notamment. Merci. Alors, on va passer à Florence. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Guillaume, qui est donc colonel de gendarmerie. Et alors, pour les gens qui sont novices comme moi dans le secteur militaire, je vais expliquer un peu ce que c'est. D'abord, Florence a été la troisième Saint-Cyrienne à choisir la gendarmerie. Et ça a été la 12e femme à rejoindre la gendarmerie comme officier. Et elle a occupé, en fait, différents types de postes. Elle a occupé des missions des commandements opérationnels. Alors, des commandements opérationnels, bah, c'est quand même d'être en charge de plus de 1000 personnes. Hein, donc, c'est assez énorme. Elle a ensuite occupé aussi des fonctions en administration centrale et en cabinet ministériel. Donc, elle a occupé des fonctions notamment de communication. Elle a été chargée de mission des affaires réservées, la rédaction de discours et d'éléments de langage de colonel, de général d'armée. Elle a rejoint depuis juillet 2020 le cabinet militaire du Premier ministre en qualité de conseillère gendarmerie. Et elle a un parcours académique de dingue. Donc, je cite. Donc Panthéon-Sorbonne, l'école de guerre, le centre des hautes études militaires, l'institut des hautes études de défense nationale. Elle est chevalière de la Légion d'honneur. Et ma première question pour toi, Florence, c'est Saint-Cyr. Comment est-ce qu'on se construit à Saint-Cyr dans un environnement qui n'est peut-être pas majorité féminin? Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là avec vous pour partager ces moments et je suis ravie de le partager aussi avec Fanny, dont le parcours et la spontanéité me plaisent totalement. Alors oui, Saint-Cyr. Alors déjà, il faut quand même que je dise que je porte haut les couleurs de Saint-Cyr, parce que c'est vraiment une école fondatrice qui m'a donné des bases extrêmement solides, qui sont toujours mes références aujourd'hui, hein, que ce soit de raisonnement, que ce soit des valeurs, que ce soit vraiment des réflexes. Donc, c'est la base. Pour autant, effectivement, ça n'a pas été totalement facile. Souvent, quand on me parle de Saint-Cyr, on me dit « Oh là là, mais le sport, ça devait être dur ». Non, en réalité, en fait, la partie de dépassement de soi, la partie d'aguerrissement, la partie de stage commando, certes, sont des moments difficiles pour tout le monde, mais ce n'est pas ça, en fait, qui a été le plus difficile pour moi. Pour moi, que ce soit mes 3 années à Saint-Cyr et mes 2 années précédentes en lycée militaire, ce qui a été assez difficile, c'était l'isolement. C'est-à-dire que globalement, pour reprendre à Saint-Cyr, on était 4 femmes sur 200. Donc, on n'était même pas une minorité, on était des exceptions. Et très clairement, on nous renvoyait constamment qu'on n'avait pas notre place dans cet univers. Donc, on avait constamment l'impression qu'on était illégitime. Alors certes, comme nos camarades avaient une obligation de correction à notre encontre, ils avaient un comportement à peu près correct, mais en réalité, ils niaient totalement notre présence. C'est-à-dire que ils ne nous disaient pas bonjour le matin, une poignée de main, ce n'était même pas en rêve. Donc voilà, on avait l'impression en permanence d'être certes actrice de notre formation,
mais d'être complètement spectatrice de notre promotion qui ne nous reconnaissait pas en tant que telle. Petite anecdote, en début de deuxième année, quand on a fait le premier livre de promotion, ben, il y avait le livre de promotion, puis il y avait 4 feuilles volantes dans le bout, à la fin, qui était le portrait des filles, parce qu'ils avaient été obligés de le faire quand même, mais on n'était pas dans le truc, histoire que voilà, ils ne se donnent même pas la peine de les arracher, voilà, parce qu'on n'avait rien à faire là. Donc voilà, petit exemple, une autre petite anecdote, là c'est après, donc après Saint-Cyr, je choisis la gendarmerie, et là j'arrive donc à l'école des officiers, parce que j'avais encore une année à faire, et j'ai un gendarme, donc un officier de gendarmerie, qui se rapproche de moi, qu'est-ce qu'il me veut, un petit peu étonné, et qui me tend la main, bonjour, enchanté, et là qui me dit, voilà, je suis un tel, j'ai vu que tu avais aménagé dans la caserne en face de moi, eh bien écoute, franchement, si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, ma femme ne travaille pas, n'hésite pas, on est là pour vous. Et là je me dis, waouh, bienvenue dans un monde en fait normal, où en fait finalement d'emblée, ben, voilà, je vois que je suis dans une équipe qui reconnaît, enfin voilà, qui se dit, enfin je trouve un peu ma place. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est la marge de négociation, elle a été extrêmement difficile. Parce que moi, je suis arrivée dans un univers, alors en tout état de cause, hein, puisque avec le lycée militaire, je savais parfaitement à quoi m'attendre, mais je suis arrivée dans un univers dont je savais qu'il n'accueillait pas favorablement les femmes. C'était très tôt, en fait, hein, c'était à peine 10 ans après l'ouverture des femmes comme officiers. Moi, j'avais l'impression, comme c'était déjà il y a 10 ans, c'était déjà normal, mais en réalité, ça ne l'était pas du tout. Il y avait à peine, je pense qu'il y avait une douzaine de femmes qui étaient passées. Enfin voilà, c'était quand même assez réduit. Et aujourd'hui, il y en a combien des femmes qui sortent de Saint-Cyr ? Je pense à peu près une vingtaine. C'est pas encore effectivement, c'est pas délirant. Encore assez voilà. Mais je pense que ça a bien évolué depuis. Mais c'est vrai que la marge de négociation est peut-être faible. On accroche les pages maintenant. Les pages sont accrochées. Oui, je l'espère quand même, parce que c'est vrai que bon, c'est assez symptomatique. Moi, c'est pas ce que j'en retiens. Moi, je retiens la richesse de la formation. Mais quand même, ça a été vraiment difficile pendant 3 ans de vivre quand même toujours comme ça. Et puis surtout, se dire, mais comment je peux faire, en fait, finalement ? Je ne peux pas être grande gueule parce que ça rimera à rien, voilà. Je ne peux pas être serpillière non plus parce que, voilà, c'est pas... ce ne sera pas utile. Et voilà, c'est en fait du coup la seule façon, c'était de faire son trou en n'étant pas une source de problème, entre guillemets, à défaut de pouvoir être une plus-value, au moins ne pas être une source de problème. Et puis se dire, voilà, je trace ma route, je fais ce qu'on me demande de faire, j'essaye d'être bien dans la formation, j'essaye de me donner en sport parce que c'est quelque chose qui est important et qu'on ne me reprochera pas. Et en fait, voilà, j'ai passé quand même un peu, finalement, ces 3 années à se dire, voilà, comment je me faufile dans cet univers, en me disant surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'après. Parce que l'après, pour moi, c'était ce pourquoi j'étais venue. Je ne suis pas venue faire Saint-Cyr, je suis venue pour être officier ou dans les armées ou en gendarmerie. Et j'étais venue pour ça. Et pendant Saint-Cyr, on fait un stage de plusieurs mois en régiment. Et au cours de ce stage, à l'époque, j'étais aspirante et j'étais en charge de la formation des appelés. Et en fait, mon stage s'est très bien passé. Alors, par rapport à l'escadron dans lequel je me trouvais, ça s'est très bien passé. Du coup, ça m'a vraiment regaillardie en disant, tiens, en fait, oui, ça me conforte dans ce que j'ai envie de faire. Et du coup, ma foi, passons outre les désagréments, passons outre que, également en régiment, j'ai quand même des capitaines qui m'avaient interdit tout simplement l'accès dans leur escadron en disant, non, mais hors de question que vous présentiez dans mon escadron. Mais je suis passée... outre ça, je me suis dit, moi, avec mon équipe, dans mon escadron, ça s'est bien passé. Voilà, ça me conforte dans la conviction que j'avais, que j'ai quelque chose à donner et que j'ai quelque chose à faire, que moi, la mission que j'ai envie de faire, c'est ça, c'est protéger, c'est défendre. Et du coup, cet objectif tant long, en fait, m'a vraiment permis de tenir et de me dire, après tout, c'est qu'un passage. Et tout le reste me permettra de montrer au fur et à mesure que j'ai tout à fait ma place dans cet univers. Il y a un très beau commentaire sur le chat. Les femmes doivent oser rester authentiques pour réaliser leurs rêves. Osons nos rêves. Merci Adeline de partager. Alors Florence, comment est-ce qu'on... Tu parlais justement de cette question de la légitimité. Comment est-ce que tu as construit justement cette légitimité? Comment est-ce que tu l'as négociée? Et est-ce que, comme Fanny, tu as eu le syndrome de la bonne élève? Ah,
complètement bon élève, moi. J'ai vraiment eu le sentiment que la seule façon d'asseoir ma place, c'était justement dans mes postes de donner toute satisfaction, de travailler, de m'engager fortement. Et voilà, et complètement bon élève pour ça, parce que j'ai toujours été une grande travailleuse. Alors, pas seulement pour faire ma place, aussi parce que mon métier me passionne, parce que j'aime ce que je fais. Donc, voilà. Ça aide. Je pense que, en l'occurrence, rester délibérément dans un univers qui ne vous plaît pas, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, vraiment, dès que je suis rentrée en gendarmerie, j'irai les différents postes que j'ai faits, voilà, m'ont beaucoup plu. J'ai toujours eu des postes qui m'ont passionnée. Et du coup, voilà, c'est vraiment le fait d'être dans des postes opérationnels qui fait, qui assoit la légitimité, parce qu'on a beau nous être sûr. En légitimité vis-à-vis des autres ou légitimité en fait, voilà, vis-à-vis des ça. Autres ou de soi. Ouais. Exactement, mais c'est exactement la bonne question. C'est qu'en fait, mais avec le recul, on se rend compte que c'est pas par rapport à soi. Soit on se dit qu'on peut le faire ou qu'on le fait bien. C'est surtout par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs, je pense, le travers, parce que je pense que j'ai été longtemps très dépendante du regard des autres. Qu'il fallait faire ses preuves, c'est pas pour moi, certes c'est pour faire la mission avant tout, hein, mais c'est aussi ce côté dépendant du regard des autres. Petite anecdote par exemple, pendant très longtemps, en début, mais je me maquillais pas en uniforme. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas qu'on puisse estimer que si je me maquillais, c'était que j'étais un peu sur... c'était pas terrible, que c'était un peu un registre de séduction, j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce que je m'imaginais, mais moi, j'étais droite, cheveux tirés, pas de maquillage, terminé, entre guillemets, très... Et c'est qu'après, je me suis rendu compte que... Et c'est justement le fait d'asseoir sa légitimité, de montrer au fil des postes qu'on fait son job, qu'on le fait bien, qu'il n'y a pas de souci, qu'à un moment donné, on ose, et c'est là la question de oser, on ose être soi-même, c'est-à-dire se dire, moi, je ne veux pas... je peux être, si je suis un peu plus féminine naturellement, je peux l'être un peu plus, et ne pas craindre, en fait, finalement, d'être regardée différemment suivant ce qu'on affirme. Voilà. Et c'est pour ça que je pense, dans le cheminement, je suis vraiment passée d'un cheminement d'intériorisation forte de règles pour lequel je n'avais pas beaucoup de marge de négo, à une partie où je considère que j'ai légitimé ma place, que ce que j'ai fait a montré que j'avais toute ma place et que du coup, je peux être complètement moi-même. Et oser, c'est aussi oser être naturel et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, c'est intéressant cette anecdote du maquillage et de l'uniforme. Alors, est-ce que le cheminement, ça a été... Est-ce que tu nous disais que tu avais eu un cheminement aussi sur la féminisation des titres ? Est-ce qu'il faut féminiser les titres ? Ah oui, alors, déjà juste une petite chose sur laquelle je voulais compléter, c'est justement quand on est trop bon élève et quand on a tous ces dangers-là, c'est à un moment donné se rendre compte qu'il faut passer du côté bon élève au côté femme qui compte. Et ça, c'est pas forcément si facile, et ça passe souvent justement par cette légitimité et par le fait d'avoir des postes de confiance qui font qu'on se dit ah bah tiens, là on m'a confié ça, là vraiment c'est aussi non seulement je dois changer de braquet, mais mon institution attend que je change de braquet. Et sur la féminisation des titres, c'est effectivement un sujet sur lequel j'ai tout à fait évolué, parce qu'au début, je vous cache pas que j'étais complètement opposée à la féminisation des titres. Moi, je me suis battue pour avoir ma place, etc. Je ne m'étais pas battue pour être lieutenante ou lieutenante-colonel. Je le dis un peu en schématisant et en souriant, parce que je me dis égalité du poste égale même nom, même appellation. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que... En réalité, finalement, si la normalité était d'être un homme ou une femme, la normalité était sans doute d'avoir un titre au masculin ou au féminin, suivant qu'on soit. D'ailleurs, d'autant plus que sur les notations, c'était un moment toujours amusant, c'est qu'on voyait que notation au départ, alors c'était le lieutenant Guillaume, machin, il fait ceci, il fait cela, il s'engage dans son travail. En fait, quand on lit le truc, on se dit, attends, il s'engage, ah oui, c'est moi, d'accord, ok. Ou alors des choses comme... Ah, le lieutenant féminin Guillaume,
Ah oui, bah oui, parce que c'est sûr que pour les hommes, ils devaient mettre le lieutenant masculin, un tel. Voilà, donc des petites choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, quand soi-même on fait des notations de personnel et qu'on dit le machin, il dit à un moment donné stop, en fait, c'est pas très réaliste. Donc voilà, c'est pour ça que progressivement, et ça s'est imposé en fait à moi comme finalement construire la normalité. C'était aussi admettre que le terme pouvait être féminisé, que c'est que finalement la féminisation allait de soi. Alors cela dit, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que j'ai voulu justement témoigner de ce cheminement et j'avais rédigé il y a quelques années un article publié dans le Figaro sur le fait justement d'expliquer. Je trouvais que je l'expliquais avec beaucoup de tolérance d'ailleurs sur les choix des uns et des autres et vraiment en cheminement pourquoi à un moment donné je trouvais que finalement c'était quand même en fait plutôt logique de féminiser les grades. Et par rapport à cet article, mais j'ai eu des commentaires, mais extrêmement clivé. C'est-à-dire que j'avais, heureusement, et ce qui faisait plaisir, beaucoup de commentaires de soutien et de femmes qui trouvaient que, qui comprenaient en fait ce que j'avais voulu dire. J'avais aussi des commentaires, mais de soutien trop appuyé en mode « mais je suis quelqu'un d'extraordinaire », etc. Et là, moi, j'étais hyper gênée. Je ne sais pas forcément gérer toujours les compliments. Et puis, des femmes exceptionnelles, il y en a plein. Et à tous les grades, ce n'est pas parce qu'on est seulement une femme de pouvoir, entre guillemets, qu'on est plus exceptionnelle. Des femmes gendarmes qui se lèvent au milieu de la nuit pour aller sur des interventions, j'en connais plein et je trouve qu'elles sont extraordinaires aussi. Donc voilà, on avait donc ce type de commentaires. Ou alors les commentaires, mais clairement, je veux dire, qui était tout à fait attirant, qui ou renvoyait, et c'est assez intéressant, renvoyait à mon illégitimité, oh, elle n'a pas dû faire la guerre, si elle a que ça à faire, etc. Ou à ma condition de faible femme, et y compris sur le fait que je puisse être frustrée, pas épanouie, enfin, je vous épargne ces détails. Ou sur le fait que tout ça, c'était complètement idiot, j'avais vraiment que ça à faire, je devais, voilà, enfin, à l'époque, j'étais effectivement patronne d'un département, j'avais 1000 personnes sous mes ordres, je pense que je n'avais pas que ça à faire, je l'ai fait assez vite, parce que je l'ai fait avec beaucoup de naturel, et en fait, qu'on résume… C'est intéressant, c'est que les mêmes personnes qui disent ça trouvent le temps de répondre, donc ça veut dire que c'est quand même… Oui, bah, là, pour le coup, voilà, enfin, en tout cas, cela, ça ne m'a pas vraiment affectée, même si c'est vrai que… je sais que ma mère avait lu les articles et m'avait envoyé un SMS en disant surtout ne lis pas les commentaires. Évidemment, en plus, je ne les ai même pas lus. Du coup, j'étais les voir. Évidemment, si on me dit de ne pas les lire, c'est que forcément, j'allais les lire. Et voilà. Enfin, mais enfin, sincèrement, j'ai trouvé que ça justifiait. Bon, j'étais juste un peu déçue qu'ils n'aient pas pris le temps vraiment de lire ce que j'avais marqué parce que j'entendais pas que tout le monde partage mon avis et ça ne me pose pas de souci qu'il y ait des avis différents pour qu'ils soient à moitié un petit peu argumentés. Et là, ça m'a juste confirmé en fait que j'avais sans doute pas mal raison. Et voilà, donc je reste convaincue aujourd'hui que la féminisation, c'est quand même le sens de l'histoire. Mais je pense deux choses, c'est que d'une part, le départ, il est un peu pollué par la sémantique. On a des féminins qui ne sont pas toujours très heureux. On a des féminins qui ne sont pas en fait, stabilisés. Donc, on a parfois sur certaines féminisations, deux, trois, quatre façons différentes de dire les choses. Donc, du coup, ça rend pas les choses faciles. On a aussi des appréciations un peu esthétiques en disant finalement, une avocate, une professeure, ça va. Mais alors, franchement, mais une pompière, une pompière ou je ne sais pas quelle autre, dit que ça ne va pas du tout. Une maîtresse de conférence, ça ne va pas. Et en fait, du coup, on s'attache sur un point de détail au lieu de s'attacher au sens général. Donc, je pense qu'il y a déjà le débat, il est un peu pollué par cette sémantique. Et ce serait heureux qu'on ait vraiment aujourd'hui un truc stabilisé sur la féminisation, point. Et la deuxième degré de pollution, c'est les hommes eux-mêmes, en fait, qui se font souvent un peu les gorges chaudes de la façon et de la réaction des femmes sur la féminisation ou pas. C'est-à-dire que très souvent, j'entends « Ah oui, mais attends, mais elle, il faut l'appeler ambassadrice. Alors, si tu l'appelles pas ambassadrice, en mode, si tu l'appelles pas ambassadrice, elle va être hystérique et ça va pas du tout. » En fait, donc, en nous donnant un espèce de rôle d'hystérie dès qu'on ne dirait pas le bon titre, alors que bon, je dirais, je pense qu'on peut dire les choses avec beaucoup de naturel. Et puis moi, quand on me dit le crado au masculin, c'est pas suggéré, je ne reprends pas forcément tout le temps. Enfin, voilà, c'est pour moi, entre guillemets, même si je viens de m'en parler pendant 5 minutes, ça reste un détail, entre guillemets. C'est pas non plus, voilà, c'est quelque chose qui paraît normal, qui de toute façon sera dans le sens de l'histoire, mais qui effectivement, qui reste encore un peu pollué par ce genre de réaction, en fait. Mais merci de nous en parler, parce que c'est quand même une question d'image de soi.
et de la façon dont on se présente dans le monde aussi. Donc, c'est un sujet qui n'est pas neutre. Et du coup, alors, on va faire rebondir Sylvia tout de suite. J'avais juste une question. Moi, je voulais savoir si tu avais dû négocier, Florence, pour te faire féminiser ton titre. Et avec qui ? Où est-ce que tu as pu l'imposer ? Alors, deux parties de réponse. Au sein de mon institution, enfin, Gendarmerie, on est plutôt avancé sur le sujet. Et autant avant, c'était que féminisation, enfin, c'était tous les grades étaient masculinisés, enfin, étaient masculins en fait. Autant depuis quelques années, assez naturellement, je ne sais pas si c'est le fait d'être en tant que militaire, on est certes militaire, mais on évolue constamment au sein de la société civile. On est en rapport toujours avec la société civile. Et en réalité, beaucoup de gendarmes, ont féminisé leur nom avec naturel sans que ça pose de soucis, même si effectivement, je dirais comme dans toutes les institutions ou comme dans tous les corps, certaines préfèrent rester au masculin encore aujourd'hui. Mais déjà au journal officiel, tous les grades sont féminisés et globalement dans les directives ou dans les choses qui peuvent être faites, c'est généralement du féminin. Et la deuxième partie de ma réponse, c'était en fait, ce qui est assez drôle, c'est que souvent on pose la question à la personne. En fait, c'est une question qui n'appelle jamais une réaction neutre. C'est-à-dire quand on pose la question, comment vous l'écrivez, ou c'est vous féminisez ou pas, en fait, si je dis oui, je féminise, en fait, derrière, il y a toujours un commentaire pendant quelques minutes en me disant ah oui, mais vous avez bien raison, c'est important, ou alors au contraire, ah non, mais quand même. Enfin, voilà. En fait, finalement, c'est assez. Je trouve ça. C'est comme quoi, c'est pas tout à fait un détail, parce que finalement, cette prise de position, à chaque fois, elle engendre en face un commentaire assez long sur et pourquoi et comment, et ouf, ça va, je suis du même bord que vous, ou au contraire, hein, quand même, finalement, on sent bien parfois une déception profonde dans son interlocuteur en face, parce qu'on est plutôt allé sur une position qu'il ne partageait pas. Ouais, du coup, on se sent obligé d'expliquer en plus. Ouais, voilà, quand on n'est pas obligé de négocier, on est obligé de justifier. C'est ça. Bon, Sylvia, la parole est à toi. Sur quoi tu as envie de rebondir ? Plein de choses. Merci beaucoup, Florence, pour ce partage. Alors, en fait, déjà, c'est vrai que ça pose des questions personnelles. C'est-à-dire que moi, si on dit, voilà, le directeur commercial, je suis sûre de ne pas me retourner, d'accord ? Je suis sûre de ne pas comprendre que c'est de moi dont on parle, parce que tant qu'on ne le dira pas au féminin, je ne me reconnaîtrai pas. Donc, effectivement, ça pose. Après, c'est des questions personnelles. Mais tout ça revient en négociation à un mot, enfin deux, c'est votre pouvoir personnel. On en avait parlé au dernier webinar. Qu'est-ce que ça dit de moi, évidemment mon genre, ma taille, ma couleur de peau, mon accent du sud, mon accent parisien, est-ce que je suis blonde, est-ce que je suis brune, mon poids, voilà plein de choses qui jouent finalement sur mon pouvoir personnel. Donc, dans les modules qu'on fait sur négocier au féminin, on apprend aux femmes à comment réagir à ce type de remarques sur le fait que, par exemple, ce serait un problème que vous soyez une femme négociatrice. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, je vous en cite une ou deux pour rigoler. Donc, la culpabilisation peut en être une. Alors, certains peuvent se dire qu'il est étonnant de trouver une femme à ce poste de négociatrice et cela aurait pu me décourager. Mais je me dis que ce n'est pas le monde que j'ai envie de construire pour nos filles. Elles méritent mieux, non ? Donc, c'est une façon de réagir sur la culpabilisation. Après, on peut réagir sur l'assumation. Par exemple, vous êtes déconcerté par le fait que je sois une femme négociatrice. Alors, si ça peut vous rassurer, ce sont des hommes qui m'ont nommée à ce poste. Alors, vous pouvez leur faire confiance sur le fait que je suis la bonne interlocutrice. Sur l'humour, quel taux de testostérone vous estimez acceptable pour discuter avec le négociateur en face de vous ? Ou alors peut-être c'est une question de rapport, de niveau de pilosité. Donc voilà, bref, il y a des contournements, il y a plein de choses possibles. Mais surtout, quand pour quelqu'un, le fait d'être une femme est un problème, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc, si pour vous, c'est un problème que je sois une femme, je suis navrée pour vous. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. Et dans tous les cas, on est deux professionnels. Et donc, la négociation est faite de compromis. Votre premier compromis, ça va être d'accepter une femme en face de vous. Et alors, évidemment, je peux tester des petites blagues en disant le premier compromis, c'est d'accepter un gros con en face de moi. Mais je vais pas le dire pour pas abîmer l'ego de l'autre en négociation. On l'a suffisamment exprimé. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a votre pouvoir personnel, ça c'est un, mais vous avez quatre pouvoirs. Vous avez aussi votre pouvoir institutionnel, à quelle boîte j'appartiens, quel est mon titre, quel est mon parcours, quel est mon grade pour Florence, quelle est l'école dont je sors. Ça me donne quand même du pouvoir, d'accord ? Même si je suis une femme. Ensuite, j'ai mon pouvoir situationnel.
Est-ce que dans la négociation que je mène, je suis en rapport de force favorable? Par exemple, je suis votre plus grosse cliente et je veux négocier avec vous. Évidemment, j'ai beau être une femme, j'ai quand même un rapport de force favorable. Quel est l'historique des négociations entre nous, etc. Quel est le mandat de négociation, la marge de manœuvre dont vous disposez? Donc, le pouvoir situationnel est très important. Et le dernier, le plus important, c'est le pouvoir relationnel. Et donc, peut-être qu'au début, vous allez avoir une petite surprise ou un étonnement, où ce n'est pas les usages d'avoir une femme dans ce milieu, ce n'est pas les usages d'avoir une femme qui parle d'argent. Ok, très bien. Mais par contre, vous allez créer une relation avec l'autre, une relation de confiance, pas une relation amicale, mais de confiance, une relation d'assertivité, où vous allez tenir vos positions, vous allez vous tenir bon, une relation très pro, d'accord, parce que, alors, pour l'accompagner régulièrement, il y a des femmes dans le bâtiment pour qui c'est quand même moins facile, hein, des fois, même si je ne fais pas de généralité, eh bien, elles sont très pro, elles sont ingénieures à la base, elles ont un dialogue qui est très pro, elles ont des termes techniques que seuls des pros peuvent connaître, et donc, même si mon pouvoir personnel me nuit un petit peu, eh bien, j'ai tous les autres pouvoirs, les trois autres, qui m'aident à tenir bon et à me donner de la valeur en égo. Et pour vous faire une mini parenthèse, parce qu'il est déjà 56, on peut en jouer de son pouvoir personnel. C'est-à-dire que quand j'arrive sur une négociation, si je vais acheter un appartement, évidemment, je ne vais pas dire « bonjour, je suis négociatrice professionnelle », parce que sinon, tout de suite, les exigences de la personne en face de moi montent de deux crans. Donc, je vais dire « je travaille dans le marketing, voilà, c'est un truc, c'est un peu pipeau, personne ne sait ce qu'on fait, donc tout va bien ». Et j'ai travaillé 10 ans, hein, c'est pour ça que je me permets cette petite blagounette. Donc, je dis que je travaille dans le marketing, et en plus, je vais prendre à Paris, c'est très efficace, mon accent du Sud. Et donc, quand je parle avec l'accent niçois pour parler de négociation, eh bien, le niveau de vigilance de la personne en face de moi est proche du néant. Eh bien, très bien. Elle ne se méfiera pas et c'est moi qui tiendrai les rênes de la négociation. Donc, si on pense que vous êtes un peu en dessous parce que vous êtes une femme, jouez de ça et appuyez-vous sur tous vos autres pouvoirs qui vous donneront du pouvoir en égo. Merci beaucoup Sylvia, et je pensais en t'entendant que la féminisation des titres, elle est un peu à mi-chemin entre le pouvoir personnel et le pouvoir institutionnel, donc c'est peut-être pour ça que ça a fait tellement bouger les lignes. Je donne la parole à Aurélie pour la conclusion, et un immense merci, et surtout continuer à nous suivre sur LinkedIn pendant l'été, et on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup. Oui, merci et tout d'abord merci à Florence et à Fanny, hein, d'avoir partagé. On apprend toujours beaucoup et voilà, et avec vos expériences très complémentaires, voilà, j'espère que nos auditrices et auditeurs auront pu apprendre ce soir. Merci aussi à l'équipe ADN Women. Voilà, on fait le pari à chaque fois qu'on va apprendre de nouvelles choses, et moi personnellement j'apprends toujours en écoutant nos invités et en écoutant Sylvia, donc merci aussi beaucoup pour nos décryptages. On vous donne rendez-vous d'ores et déjà à la rentrée. On va faire un petit break pendant l'été, tout le monde a besoin de se reposer, y compris Zoom, on a vu ce soir, et donc on vous donne rendez-vous le 23 septembre, donc c'est aussi un jeudi soir, aussi à 18h, et donc nous aurons deux nouvelles femmes de talent avec des parcours très différents qui pourront aussi témoigner de leur situation de parcours, de négociation, d'évolution de carrière pour partager avec vous. Donc, rendez-vous le 23 septembre. Et puis, comme le disait Karine, d'ici là, pendant l'été, n'hésitez surtout pas à écouter les podcasts d'ADN Women et à nous rejoindre sur le groupe LinkedIn. Et à nous faire des suggestions d'intervenantes aussi, si vous en avez, n'hésitez pas. Au revoir. Merci à toutes. Merci. Bonne soirée. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci. Merci à tous. À bientôt, rendez-vous le 23. Bon été. Au revoir, merci à tous.